Hey yo les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui sur Twin Saga. Oui, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo avec ma voix parce que voilà, j'avais un petit souci avec Audacity, donc c'était pas possible. Et bah, écoutez, aujourd'hui c'est possible, je peux jouer avec ma voix. J'espère que ma voix vous a pas trop manqué à plein de par-ci par-là. Donc, je vous disais, donc aujourd'hui en fait c'est une vidéo très très spéciale. En fait, je vais vous parler de comment XP, non pas comment XP, comment avoir beaucoup de PO. Parce que je sais qu'il y a la plupart d'entre vous m'ont MP sur le jeu et en privé aussi sur ma chaîne pour savoir comment faire pour avoir autant de PO. Alors, c'est tout simple. Donc premièrement, pour avoir beaucoup beaucoup de PO en fait. Déjà, je vous conseille de, bah, c'est pas, voilà, c'est pas con, hein, pour pouvoir avoir beaucoup de PO par année. Il faut faire à peu près tous les donjons. Genre par exemple, moi je sais que je fais Sanctuaire Lunatique, Ruine, Mausolée, des singes, je sais plus quoi. Enfin, je fais laboratoire. Enfin, je farme beaucoup, beaucoup, beaucoup de donjons. Et c'est, pardon, c'est pour cela que j'ai énormément de PO parce que je crois que par tournée vous prenez à peu près 10 à même plus, je pense, entre 25 ou 50 PO, je sais plus. Ou après, si vous faites les donjons dans la journée, je pense, enfin, genre full donjon de la journée. Bah, vous avez une chance de récupérer au moins 500 PO si vous faites vraiment les donjons, la crisette, etc. Mais après, voilà quoi, il faut être vraiment très très solide mentalement et être vraiment accro à ces donjons quoi. Donc voilà, ça c'est pour comment pouvoir XP XP et pouvoir récupérer beaucoup beaucoup de PO. Et il y a aussi une chose, genre, par exemple, moi la plupart de mes vidéos, les costumes ou les trucs comme ça que je drop, au lieu que je les garde, bah des fois je les jette comme ça, hein, vous avez dû le voir sur le live, etc. Parce que voilà quoi, moi ça me, voilà, ça m'intéresse pas et c'est pas les PO qui manquent, donc c'est ça. Mais sinon, pour un conseil d'amis, je vous conseille de les vendre, c'est plus rentable pour vous et tout le monde est content. Donc voilà. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a aussi d'intéressant à vous dire si vous êtes un dernier player? Bah non, en fait, bah il n'y a plus rien, je pense. Enfin, j'ai dit le plus essentiel, ce que je voulais vous dire. Sur ce, bah écoutez les amis, j'espère que cette petite explication de comment vous procurer beaucoup de PO va vous aider. Et faites-moi part si ça a marché ou si vous aimez bien. Et par contre, je pense pas que ça va vous plaire parce que faire des PO en farmant comme un dingue ou un fou, c'est pas facile. Et voilà, après moi je sais que je farme énormément, mais bon, voilà quoi, faut être vraiment très très solide. Et n'oubliez pas aussi de faire toutes vos quêtes, hein. Regardez, je vais vous montrer. Hop, quand vous allez sur quête, là, les quêtes sont chill, ça vous rapporte pas mal de d'XP aussi. Et vous avez les quêtes quotidiennes, je crois. Ouais, ceux-là. Bah, en fait, en les faisant, hein, bah, vous avez pas mal de PO. Chaque quête vous donne pas mal de PO. Et vous allez voir que en faisant tous ces quêtes-là, quand ils sont plus là, en fait, bah, vous allez avoir pas mal de PO de côté, quoi. Et pour ceux qui sont très radins ou ils aiment bien faire des quêtes, bah, franchement, c'est le meilleur choix de pouvoir récolter pas mal de pièces d'or. Voilà. Et bah, après, bah, pour le reste, il n'y a plus rien à dire. Non, il n'y a plus rien à dire. Donc voilà. Et la prochaine vidéo, en fait, bah, je vais vous parler de classes et comment les monter. Mais pour le moment, je suis en train de voir si ça fonctionne ou pas. Et je vous ferai un tuto de chaque classe, de vous avoir quoi monter, etc. Pour le moment, ben, je n'ai pas encore beaucoup beaucoup d'éléments qui permettent de vous faire cette vidéo, enfin des vidéos. Donc je ferai peut-être dans la semaine une vidéo de Chevalier Dragon, mais après pour les autres classes, c'est pas très sûr parce que Chevalier Dragon c'est sûr et certain parce que c'est ma classe main. Du coup, ben voilà, c'est sûr et certain que je vais vous le faire. Ben du coup voilà.
Donc, ben, les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire ce que vous en pensez. Si c'est toujours kiffant de regarder mes vidéos, parce que je m'améliore, etc. Ça me fait toujours plaisir. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une vidéo et prenez soin de vous. Ciao les amis.